Eh bien, moi, ce que je n'aime pas dans cette histoire-ci, c'est les lynchages. Et je trouve qu'ici, ça va trop loin pour le bouquin de Frédéric Tout à fait, bien sûr. Dubourcy. Ici, on dirait presque que c'est Michel Martin qui a écrit le livre. Ouais. Et ça, c'est pas exagéré comme commentaire. Non, je trouve que Michel a raison, vraiment. C'est vrai, c'est comme c'est vrai. Les gens s'en prennent à Dubourcy sans avoir lu le livre, sans l'avoir acheté. Et il y a une pensée unique absolument insupportable. C'est absolument... C'est vrai. Voilà. Mais non, mais Michel a raison. Il y a une pensée unique absolument insupportable. Il y a des bonnes choses dans ce bouquin. Il y a des éléments critiquables. C'est pas pour ça qu'à un moment, comme je peux lire sur un SMS, qu'il faut aller pendre Frédéric de Borsu sur la Grand Place. Ah non. Alors il a fait un. Et alors il y a un truc aussi quand même que je voudrais dire, c'est qu'on commence un gibet sur la Place Royale. On commence à voir certains politiques aussi qui s'en mêlent, qui commencent à critiquer le bouquin et à donner des leçons de journalisme. Sans l'avoir lu. Bien évidemment. Et donc attention, voilà. Cite un peu. Frédéric de Borsu est jusqu'à preuve du contraire un journaliste professionnel. On peut regarder ce bouquin avec un œil critique, mais dans le sens positif et dans le sens négatif. Non.